Alors, épisode suivant, Pathfinder d'abord, comme d'habitude, un classique. C'est parti. Bon, bah, trois quarts d'heure et puis on a fini le truc. Donc, encore un DLC qui se finit en 4 heures avec des courses qui sont déjà dans le jeu. Il y a un gros effort de fait, hein. 25 courses, il y en a 3 qui sont, on va dire, nouvelles, puisque c'est des épreuves Playgrounds, mais ça fait court le DLC quand même, hein. DLC d'un jeu de course. Avec autant de circuits différents, on n'utilisait que 25, même pas. Oh, puis j'en ai tellement marre des courses de nuit, sérieux. Y a pas un bouton pour faire avancer le jour, Non, je me trompe de jeu, c'est ça? D'accord. Je me rappelais pas qu'il était aussi souvent en sur-régime le machin. Mais tourne! T'es pas fourni avec la direction quoi? Mais bien sûr! Mais bien sûr! Ouais! Exactement! Le moteur il est à l'arrière, mais bien sûr, ça se voit, regarde! Regarde le moteur comme il est à l'arrière, ça se voit! Ah oui! Superbe. Aïe, j'ai cru que ça passait. Et j'ai cru que j'étais là surtout. Et comment tu débranches ton cerveau, tu passes au mixeur. Non, pire que ça. Si on parle toujours de Wonder Woman, pire que ça. Non, non, il y a plein de films où tu peux enlever ton cerveau et puis passer un bon moment là. Là, j'ai débranché mon cerveau, j'ai passé un mauvais moment, donc je te raconte pas. Le mélange. Après, il y avait des trucs qui étaient quand même bien faits et intéressants. Mais il y avait beaucoup de trucs qui étaient à chier et ça me sortait du film complet. Faut que je fasse 2,19. Ah, faut que je fasse 2,19! Ah ouais, j'ai 29 secondes d'avance pratiquement. Ah ouais! 28? Ah oui, quand même! Ah, ça commence d'être chaud, 28 secondes d'avance sur un circuit unique. Ouais, d'accord. Ok. Générique. Le critère a un nom et c'est Wonder Woman. Ouais, non mais enfin, ouais. Moi, il m'a vraiment saoulé. Je suis déçu parce que le premier, je l'avais trouvé quand même assez cool. Mais alors là, le deuxième, non, 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 non et non. Encore des voitures de rallye, rallye GT. Pff. Je pourrais prendre la petite Taycan. Elle changerait parce qu'ils la mettent de toute façon jamais en. Histoire de voir si elle va bien sur la glace. Une petite Taycan. Bah, du coup, j'ai pas la peinture. Ouais, j'ai celle-là qui est superbe. Absolument magnifique. On va prendre celle-là. Un qui est bon, ce film, c'est Doom le premier. Doom, un bon film?
C'est pas celui qui s'est fait ravager par toutes les critiques du monde entier, ça? Avec Dwayne Johnson, je crois, et puis le mec de Star Trek aussi, là, le médecin. Il n'y avait pas ces deux-là dedans? Il me semble qu'il avait été catastrophique, moi. Hein. Après, peut-être qu'il était assez fidèle, je sais plus. Les branches aussi, mais j'aime bien. Il y a eu un film Far Cry aussi, je suis pas sûr qu'il y en ait qui le sachent. Hein. Il y a eu un film Far Cry, les gars, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui le sachent, tellement c'est un film bas de gamme. Je me rappelle plus tellement, je sais que je l'ai en DVD. Je crois que je l'avais trouvé à l'époque quand on faisait les trucs de DVD pas cher, espèce de bac à solde ou je sais pas quoi. The Rock et Carl Urban. Ah, le nom, je sais pas si c'est lui que je parle. Allez, voiture cheatée! Sauf qu'en drift, je sais pas ce qu'elle vaut. Ouais, sauf que je suis en train de vous éclater normalement. Hein, mais... Tellement cheatée cette Taycan. Oh mon dieu. Oh merde, j'ai totalement foiré mon virage. Ouais, j'en sais rien à gauche. Ouais, je crois que je le prends plutôt à droite parce que j'arrive dans le bon sens du virage. Quoique après j'ai mon petit élan en diagonale en virage. Ouais, bon, ça devrait bien passer en Taycan. Ça devrait bien se faire. Objectif de carrière, effectuer 10 drifts. Ah ouais, c'est tout. Ah bah je vais t'en faire des drifts mon pote, hein, bouge pas. Oh, elle est tellement craquée, elle se conduit tellement facilement. Oh là là. Oh, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Ah, je crois que je prenais à droite quand même. Ouais, parce que là, je suis à contresens du virage. Ouais, bon, ça passe bien les deux, hein, mais. De toute façon, je suis en train d'éclater l'IA. Elle va tellement bien cette bagnole, c'est illégal quand même. J'y vais au pif et ça passe quoi. Eh merde, un peu tôt encore un coup. Ah merde, je crois qu'il était plus court que ça. Bon bah easy. Salut Grand Toaster. Oui, le film Far Cry est nul. Ouais, c'est ce qui me semble, hein, mais je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, hein. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va. Eh bien tant mieux, écoute, ça va pas trop mal. Tac, tac. Pas fait de petite photo pour faire une nouvelle miniature. Faudrait que j'en fasse une, mais bon, il fait tout le temps nuit, je vois pas trop l'intérêt. Bon, encore combien? On a déjà fait deux là déjà. Il en reste plus que quatre. Dont deux, trois duels à mon avis. Tout ça c'est du duel à mon avis. Hein. Comme la première fois. Du sprint, ouais. Oh oui, merci! Ah, la catégorie préférée de tous. Merci de la remettre. Et c'est sur de la glace, je crois. Mais merci! Mais merci! Mais qui vous a dit qu'on en rêvait? Ah, oh, merci beaucoup les gars, merci. La catégorie préférée de tous les joueurs de Dirt 5. Vous vous sentez obligé de refoutre une épreuve à chacun de vos DLC. C'est beau. C'est beau. Et en plus, sur de la glace.
Encore un quart d'heure de galère à faire là-dessus. Ah là là. Quelle bande de trous ducs chez Dirt quand même. Chez Codemaster, enfin chez Dirt. Ça me blase déjà. J'ai pas fait un virage, ça me fait déjà chier. Puis alors l'IA, elle est complètement pétée, c'est incroyable. 5 tours, ils en ont pas mis 7 comme la dernière fois. Oh là là, mais l'avance qu'elle t'éclate dans la tête, l'IA, mais c'est illégal. Mais portez plainte, putain, mais c'est incroyable. Oh là 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 là. On a amélioré le comportement du sprint, hein. Du coup, on s'est dit, bah, on va vous en remettre. Hein. Parce qu'on sait que vous adorez ça, les gars. Hein. Et en plus, vous avez payé pour avoir ça. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, t'as payé pour avoir une épreuve de sprint de merde. Que personne ne veut, mais vous avez payé. Ouais, ouais. Putain de bordel, mais qui a décidé de ça, bordel? Ça va être compliqué de la gagner, celle-là. Hein. Surtout si, en plus, dès qu'une voiture me frotte, je perds toute ma vitesse. Je sais pas d'où vous sortez ça, mais... Allez, à moins de faire un hold-up au dernier virage, là, ouais, sauf qu'ils sont tous agglutinés dedans, mais... Ouais, bon, un quatrième déjà dès le départ, c'est déjà pas mal. Ah, ça sent la galère. Ah, quelle horreur. Non, non, driftez pas les mecs, surtout, hein, driftez pas, hein. Pas de burn, hein, les gars. Vous faites pas chier avec ça, c'est réservé aux joueurs, ça. Ah, va te faire foutre! Qui a dit CSA devrait aller spawn? Non, bah, pas de trucs comme ça. Pas de... Pas d'insultes comme ça. Par contre, il devrait se faire foutre dehors. Oui, ça, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Ah oui, en tout cas c'est un connard. Là il n'y a pas de... Y a pas de si de... Ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Hein. Le mec qui rajoute du sprint que tout le monde déteste, tout le monde a râlé contre, ils ont fait une légère modification de gameplay qui ne modifie pratiquement rien. Les mecs ils se sont dit tiens, on leur met 25 épreuves, et ben allez on glisse quand même une petite épreuve de sprint. C'est d'ailleurs la deuxième épreuve de sprint du DLC, mais la première c'était encore avec des voitures de rallye moderne je crois. Donc ça se fait tout seul, mais une épreuve en, deux épreuves en anneau sur, sur 25, ça fait quand même beaucoup, les gars. Ça fait pas beaucoup de recherche au niveau gameplay, hein, au niveau contenu, au niveau qualité du contenu, plutôt, on va dire. T'es vraiment pas obligé de me pousser, hein. Surtout dans le mur, hein, connard. Je sais pas pourquoi j'ai réussi à prendre l'intérieur comme un pourri. Ah, elle part trop du cul, rien de moi ça, ils sont déjà en ligne droite, eux. Ils adhèrent déjà comme si c'était du bitume. Quels enculés! Allez, contre-braque! Putain! Ça me casse les couilles, ce jeu! Lever les roues avant sur la glace. Oui, bah comme dans... Exactement comme dans Fast and Furious 4, où à un moment, à la fin du film, il arrive à relever l'avant, là, pour éviter les balles de l'autre, alors qu'il est sur de la terre, c'est pareil. Hein. Lever les roues arrière sur de la terre, je pense que c'est... Les roues avant sur de la terre, je pense que c'est pas faisable. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour la beauté du spectacle. Et tout va bien.
Quel connard, il m'a envoyé dans le mur ce fumier. Hein. Putain, j'ai envie de tout casser, ça m'énerve. De payer pour faire une épreuve à chier comme ça, c'est incroyable. Eh ouais, mais regarde-moi ça, ils sont tous agglutinés à l'intérieur pour pas que tu le prennes. Comme c'est la seule chose qui permet de gagner. Ah, ils sont malins, regarde-moi ça. Zit! Merci d'avoir fermé la porte, connard. Il me pousse tellement que je pouvais même pas avoir l'adhérence pour accélérer comme je voulais, c'est bien. Allez, 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 allez. Ah, quel enculé celui-là. Aide-moi ça, comment ils driftent pas. Ah, mais quelle arnaque, ils ont des pneus terre même pas et ils driftent pas du tout. Quel bâtard! Mais quels enculés, putain! Quels enculés, ces développeurs! Allez, accélère, accélère, accélère! Ligne droite, putain, ligne droite! Allez, ligne droite, ligne droite, ligne droite, ligne droite, ligne droite! Et c'est bon! Putain de merde! Ouais, 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 vous êtes trop contents d'avoir gagné, bande de bâtards, c'est bien. C'est bien. Je vais essayer de me calmer parce que là j'ai envie de tout péter. Là franchement, je viens de foutre mon coca par terre déjà. C'est pas une grande perte, mais voilà, ça fait chier. Gagne-moi ça, cette triche quand même, mais bordel. Nous on s'en fout, on grippe, on t'emmerde. Voilà, puis on prend l'intérieur par contre, hein, parce que c'est important de prendre l'intérieur pour être sûr de te faire chier. Parce que sinon, c'est pas intéressant. Hein. Les mecs qui arrivent à me battre à l'accel quand même, c'est beau. Je veux dire, vraiment à me battre. Hein. Pas juste à me rattraper, regarde-moi ça. Qu'elles enfurent. Qu'elles enfurent les développeurs, mais aller pourrir en enfer. Sérieux, ça n'a aucun sens, quoi. C'est vraiment du développement de connard. Hein. De mettre les pires courses du jeu sur la glace et te le rajouter en payant, quoi, mais... Mais qui a réclamé ça? Absolument personne. Allez, contre-braque, putain. Ah, j'ai perdu mon adhérence parce qu'il m'a frôlé. Il m'a frotté un petit peu, du coup j'ai perdu toute mon adhérence, c'est intéressant. Allez, va crever. Va crever le jeu, j'en ai marre. Franchement, ça me fout la gerbe de voir ça. Quelle décision à la con. Eh ben, Yonk, ça augmente bien vite là le sponsor. Super, une belle carte de joueur magnifique. Trop bien. Ouh, ça va, je grésille pas, c'est pas, y a pas le micro qui remerde. Non, c'est bon. Allez, trois courses à mon avis, c'est des face-à-face. On va regarder ça. Moderne ou super light encore. Putain la vache. Ouais, après c'est peut-être des catégories qui vont ensemble. Comme quoi celles-là elles font pas le poif face à des RX. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Peut-être une petite Ariel. Peut-être l'Ariel du DLC. L'Ariel du DLC peut-être. Allez, why not? Je sens qu'on va en chier mais bon.
Non, mais c'est inadmissible à un moment, quoi. C'est inadmissible de te foutre des courses à chier comme ça alors que tu les payes, quoi. C'est quasiment le seul truc que tu payes d'intéressant. Tu payes des voitures, mais bon, elles sont à moitié à chier, ou alors t'en as rien à cirer pour celles qui te mettent depuis le début. Et ils te mettent des courses, tu te dis, ouais, trop bien, ça va faire un petit peu de contenu. Bah non, non, j'ai de la merde. Déjà, c'est tout ce qu'il y a déjà dans le jeu. En plus, on te met les pires trucs possibles. Non, c'est génial, vraiment, c'est top, hein. C'est top, 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 hein. Vraiment une grosse réussite encore, hein. Bravo Dirt. Ah, je risque pas de vous dire que vous avez fait un bon DLC, moi. Ah non, non, faudra pas rêver là-dessus, hein. Faudra pas compter là-dessus, les gars. C'est moi ou c'est la même épreuve qu'on a faite tout à l'heure en plus, à l'envers? Ouais, c'est ça, c'est la même épreuve qu'on a faite tout à l'heure. Bon, elle tourne pas. D'accord. Ah d'accord, elle arrive à faire quand même un tête à queue, elle. Belle merde. Bon, elle a une vitesse de folie, mais elle est incontrôlable, donc je vois pas trop l'intérêt. L'autre Ariel Atom, elle est incontrôlable, mais elle avance pas, je crois. La version de base. Oh, ça va être un calvaire du début à la fin, celle-là. Donc c'est pas un duel. Ils ont pas fait des duels comme dans le premier DLC, faut dire ils sont un peu emmerdés parce qu'ils ont mis une voiture de chaque catégorie là. Ils ont pas mis deux voitures de la même, deux voitures de la même, donc Donc là cette fois, compliqué de faire des duels. Hein. À moins de faire des duels avec la même voiture pour ainsi dire, et là ça pourrait être intéressant, mais ils ont pas osé. Ils n'ont pas osé l'obligation d'utiliser les voitures du DLC, c'est peut-être un signe. Ils ont même pas programmé l'IA quand même pour qu'elle utilise les voitures des DLC. Ils sont même pas emmerdés à reprogrammer les IA. Wow! Ah, elle porte bien son nom de Super Light, hein. Après, je crois que le moteur est à l'arrière sur celle-là. Hein. Ça m'étonnerait pas. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à l'avant, ouais. Oh la vache! Voilà, facile. Ils coûtent normalement 11,49€, je crois, les DLC chacun. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Pour avoir 4 voitures, 25 courses déjà dans le jeu, des succès, parce que je pense que ça, tu les as pas. Je viens d'en voir un, là, dans les miroirs, 40G. 40G, donc, voiture super light pour un DLC super light. Un DLC super, super bad, surtout. Jackson et Logie, une livrée. Super. Ouais, c'est 11,49€ si je dis pas de bêtises. Chaque DLC, je sais plus combien c'est le Season Pass. C'est 12€ de trop. T'as 50 centimes déjà de trop. On devrait être payé pour qu'il joue. Non. Ah ouais, je vois les. Non, celle-là, j'aurais dit que justement c'était pour la. Pour la vieille Logi, justement. Qu'est-ce qu'on a? Celle-là, on l'a assez prise. On pourra peut-être refaire un petit coup de soube. Un petit coup de soubi. Pour la revoir un petit peu en action. La voir toute noire. Parce qu'elle brille tellement qu'elle est noire.
Alors que je crois pas que les voitures de rallye, elles brillaient dans le noir puisqu'on n'utilisait pas des couleurs vraiment métallisées, mais... Exactement. Même gratuit, j'en veux pas. Ah, oh, gratuit, c'est exagéré. Mais... Ah, ça me prend le chou, vraiment. Il m'a gavé l'autre truc là de sprint. Quelque chose de bien. Hein. Je vais finir ce qu'il me reste de coke. Bon, du coup, je vois que c'est une multicatégorie, donc pas de face à face toujours. Ah, pour l'instant, elle est bleue. Ah, tiens, il y a... Ah, une voiture DLC! Incroyable! Ah, ils ont voulu me faire mentir. Ou alors c'est qu'on doit le battre. Regarde-moi ça, il est dernier. Ça se trouve, c'est ça, il faut le battre, lui. Il faut le battre et c'est pour ça qu'il est là. Il y en avait peut-être un dans l'autre course aussi. Il est en galère, hein, le pauvre. Il est contre des 4 roues motrices, je crois, uniquement. Ah bah là, il est en PLS, le pauvre. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est lourd comme je sais pas quoi. Il a que la propulsion. Eh merde! Bah ouais, mais je vois rien, les gars. Bon, y en a un qui s'envole, ça m'énerve, ça. Vous êtes encore là à faire les bouches-trous pour éviter que je passe. Une 0,37, encore un coup. Bien sûr, c'est la meilleure voiture du monde, la 0,37. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils ont été obligés de tricher au rallye pour battre Audi, oui. Meilleure voiture ever, bien sûr. Quels enculés. Quels enculés chez Dirt, quand même. Ah là là. Ça va, tranquille, la 0,37, elle prend assez d'avance, là? Incroyable. On voit même pas ses phares dans la nuit, quand même. C'est chaud, hein. 4 tours? D'accord. Ouais, bon, voilà, fini, hein. On va essayer de gagner. Alors, mon frein à main ne marche pas, je sais pas pourquoi. Ah, il y a ces phares qui apparaissent quand je me rapproche, c'est bien. On se croirait sur Switch, c'est bien. Manque juste le côté portable et puis on est bon. Corbillard. Oh, je crois qu'il est en dernier là. Je suis pas sûr de l'avoir vu. J'ai peut-être même pas fait gaffe, mais j'ai peut-être battu le. Dans la première course. Tiens, il y en a un qui est derrière moi quand même. Il suit que ça 0,37. Hein. Il cheat, pardon. Pardon, excusez-moi. Il cheat, pas il suit, il cheat. Alors ma voiture qui a pas de frein à main, ça me perturbe parce que c'est un peu gênant. Il marche une fois sur deux, j'ai l'impression. Ou alors c'est parce que c'est sur la terre. Voilà, je vois plus les phares. Voilà, on se croirait retourner sur PS2 où t'as les phares qui s'allument seulement quand t'es près de la voiture. Quand t'es trop loin, tu vois plus les phares ni avant ni arrière. C'est beau quand même. Hein. Elle est belle la nouvelle génération. Pourtant je suis sur One X quand même, hein, les gars. Sur One X, hein. Faire un petit effort, hein. Qu'est-ce qu'ils ont été mettre le corbillard ici, bordel? Quelle est cette idée saugrenue de le mettre contre des 4 roues motrices? Ils ont pété un boulard quand même.
Oh là là, je lui ai mis une pilule là, la 0,37. Elle ressort bleue quand même, hein, mais pas tout le temps. Là, elle est noire, là, elle est bleue. Là. Ouf! Ça se fait pas, mais quand tu auras terminé le DLC, le corbillard n'aura pas fini 3 tours. Jackson et l'OG, regarde, il est tout en bas. On va regarder combien de temps il met. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Allez, le quatrième vient d'arriver. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Dixième. Onzième. Deuxième. Il a 30 secondes de retard. Il est génial, allez-y, prenez-le. Vas-y, fais-toi du mal tout seul, vas-y. Mais qui sont cons. Ah là là. Mais bien sûr, je vais prendre le corbillard et puis je vais en chier pendant 3 plombes pour essayer de battre des Subaru et tout ça. Ouais. C'est bien ce que je me disais. Niveau 7 déjà ? Ah, il y a un bug là, je suis pas monté aussi vite en 3 courses quand même. C'est étonnant ça. A mon avis, une poudre blanche suspecte a été distribuée chez Codemaster. C'est pour ça qu'Electronic Arts les a rachetés. Je pense qu'ils ont trouvé un filon et puis ils veulent partager. Faites tourner les gars, s'il vous plaît, on en a besoin pour Need for Speed là, on a plus d'idées. Hein. Donc celui-là, je sais pas si j'ai battu, un autre mec. Il y avait quoi comme catégorie? Il y avait la Duke? Non, il n'y avait pas de Duke, il n'y avait aucune voiture DLC là, donc non, il devait pas y être. Allez, dernière course, avec quoi? Bah tiens, le corbillard. Ah, je me tente, hein. Je me tâte, hein. Je me prendrais bien le corbillard. Hein. Ouh là là, ça donne envie. Allez, que de la gueule. Merde, il y avait une peinture DLC que j'avais gagnée. Ah putain. Ah, après mon Jackson Pollock là, il est superbe sur ma voiture. Panavin Camelot, mais il y a aussi Peplum qui m'a bien fait marrer. Ah là. Salut Napalm. Bah écoute, ça va pas trop mal et toi? Dernière course du DLC où je sens que je vais souffrir. Cette course-là, elle est pas évidente. Faut des chevaux, j'en ai, mais j'ai du poids. Ah, il y a les voitures, une voiture DLC. Incroyable. Ça y est, il commence à les prendre. Ouah, je suis en train de les... Oh. Oh, le John Cena, alors. Ah, il était épique, là, le... Ah, bien sûr, d'accord. Allez, faut accélérer. Elle adhère même pas. Tiens, il y a un autre corbillard devant. Il est en tête. Putain, course de corbillard, vas-y, trop fun. Bah, sauf que je suis pas prêt de le rattraper avec la merde que je fais, là. Oh là là, qu'est-ce qui drift ce machin, mais quelle horreur! Mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse contre des pick-up de course, moi? Qu'est-ce que c'est que cette merde, quand même? Tourne! Oh putain, heureusement qu'il y a des murs. Hein. Je serais vite par terre sinon. D'ailleurs, Mom Phoenix, il m'a pas dit s'il avait réussi à faire son Rainbow. Allez, je m'envole et je dépasse tout le monde. Ah, le corbillard, il est en train de nous mettre à l'amende. Mais bien sûr. Mais t'as raison. Vas-y, elle est bonne cette blague. Je vais la mettre sur mon Discord. Oh là là, gagne-moi ça, l'avance qu'il a. Mais c'est n'importe quoi. Ou alors les autres derrière, ils étaient tellement lents, ils m'ont retenu, je sais pas. Bon, je me suis bouffé aussi des murs.
tout seul comme un grand. Ah, bordel. Allez, avance, avance, avance. Course de corbillard. Ah là, c'est fun. Là, on atteint le sommet du fun dans Dirt. On se croirait dans Wakefest, là, presque, mais... Tout va bien. Et mon pote, ah bah t'as la peinture DLC que j'aurais pu prendre, je crois. Je crois que c'est celle-là que j'ai eu de peinture. Oh, ouf. Oh, le choc, il était rude quand même. Je m'en fous, je vais plus loin que toi. Ça, c'est du finish. Une course de corbillard pour finir le DLC, ça c'est épique. Oh, les autres ils sont à la masse derrière des corbillards avec des pick-up, vous êtes sérieux? Enfin, avec des gros 4x4, je crois, c'était les pré-runners? Sérieux les gars? Ou alors vous avez mis les moins bons de la catégorie, peut-être, je sais pas, mais. Chaud quand même, non? Voilà, facile. Ah, je vais bien, j'ai regardé toutes tes vidéos sur FS Haute Poursuite, je l'ai eu sur PC. PC, il me tente. Bah écoute, il est très sympa, hein, Haute Poursuite. Je ferai ma vidéo à vie, ouais, je l'ai toujours pas fini par contre. Je suis pas encore, faut que je fasse ma vidéo ce soir sur le DLC de Dirt 5. 100G! Vous avez obtenu les 75 timbres et je gagne 100G pour ça? What the fuck? Ah bah Goku, il a intérêt de s'y mettre, hein. 100G plus 40 plus je sais pas quoi, il est généreux le DLC. Hein. C'est bien son jeu, le petit corbillard, le petit salopin. Galopin, pardon. Course de corbillard, le premier au funérarium embarque le cadavre. C'est glauque. Ah là là. Ah, c'est. Je sais plus à quel jeu je joue moi. Je m'attends à un jeu avec des Subaru, des 205 et tout, et je fais une course de corbillard pour finir le DLC. C'est. Dans Wakefest, on peut avoir des cercueils dans les voitures, t'es sérieux? Wakefest, il me fait délirer ce jeu. Bon, pas du tout, j'ai pas aimé le gameplay, mais... Bon, bah voilà, DLC fini. Avec un gros paquet de G, quand même, 100G pour avoir les 75 timbres. Ouais. Bah, c'était pas terrible. Hein. Oh là là, je me suis pas amusé beaucoup sur ce DLC. Hein. Que des courses de nuit, beaucoup de courses sur glace... Ouais, mon avis va être salé. Il y a quand même une, deux, trois courses sur glace. Plus les sprints sur glace. Je crois que les deux sont sur glace. Deux Pathfinder. Un Gymkhana, un Gatecrasher et un Smash Attack. Ouais, le... Ouais. Ouais.